un Britannique sur le trône des courses sur sable françaises. À 25 ans, Todd Kellett s'est fait un nom dans le milieu du motocross. Le jeune homme de Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a tout simplement écrasé la concurrence cette saison. 4 victoires sur 5 possibles et un sacre de champion de France acquis avant même l'Enduropal du Touquet. Hello. Ça va? Problème? Non. Si le talent de l'anglais est indéniable, Todd Kellett est aussi reconnaissant envers ses mécaniciens. Ils lui ont adapté et fourni à chaque manche une moto sans faille. Le grand avantage pour moi, c'est que le réservoir est installé plutôt à l'arrière. On a moins de poids à l'avant comparé aux autres marques comme Honda ou KTM. Et ce poids à l'avant, ce n'est pas l'idéal dans le sable. Son aventure avec Yamaha Dragon Tech a démarré un peu par hasard lors d'une course aux Pays-Bas en 2018. Il m'avait un peu tapé dans l'œil parce qu'il avait un style assez agressif et rapide. On a discuté comme ça et je lui ai dit « ça te branche de faire le Touquet ?» Il m'a dit « ah ouais, super, une moto pas trop vieille avec un réservoir. » J'ai dit « allez, vas-y, viens. » Et depuis, Todd Kellett en a fait du chemin. Il établit ses quartiers et trophées 6 mois par an à Audrecel, une nécessité pour atteindre ses objectifs sportifs. C'est très important pour moi d'être là, pour l'équipe. Surtout qu'au Royaume-Uni, il n'y a malheureusement pas beaucoup de circuits sur sable. À Lune Plage, on peut rouler 6 jours par semaine, c'est génial. Pas loin et pas trop cher. Le pilote britannique ne compte pas ses heures sur le circuit Bernard Gouvard. Ne fais pas à chaque fois embrayage-frein. À l'écoute des conseils de son coach Sébastien Sago, une référence dans le milieu, signe que Todd Kellett s'est bien entouré. Un petit gabarit, léger, donc faut une moto vraiment adaptée, spécifique. Et tous les ans, la moto progresse par rapport à son adaptation. Lui progresse dans ses phases techniques et aussi dans la façon de se structurer face, je dirais, de la partie médico-sportive. Un nouveau préparateur physique, mais aussi un nouveau kiné du sport. Le néo-champion de France ne veut pas revivre sa défaillance fatale dans le final du Touquet l'an dernier. On ne gagne pas lors de la première ou la deuxième heure, mais lors de la troisième heure. J'ai fait une technique de neuromodulation juste pour stimuler un petit peu au niveau nerveux, éviter justement qu'il paye la fatigue d'hier. Il a eu un gros entraînement. Todd peut compter également sur les mots forts de sa compagne Lucie. La même fin de victoire, l'Enduropal par-dessus tout. Je vois le dur travail qu'accomplit Todd à la maison, que les autres ne voient pas. Je ressens aussi quand il passe une mauvaise journée, alors quand il gagne, on gagne ensemble. Le Touquet occupe les 12 mois de mon année. C'est la course pour laquelle je sors du lit, comme un Dakar, ou un peu comme des Jeux Olympiques. C'est ce pourquoi je vis. 5e en 2020, 2nd l'an passé, Todd Kellett veut monter cette fois sur la plus haute marche d'une course qui le fait rêver depuis l'enfance.